Pa 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 la pa 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 la pa pa la pa pa la pa 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 Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Alexian slash QGNX. Donc le jeu aujourd'hui, c'est un jeu d'une série que j'apprécie vraiment beaucoup. En fait, c'est ma série préférée. Il s'agit de la série Megaman et le jeu c'est Megaman 11. Donc ouais, qu'est-ce que j'en pense? Excellent. Ça suit la série. On y va tout de suite, ciao, peace. Le jeu cette fois, c'est Megaman 11. Megaman 11, sorti plusieurs années après le commencement de la série, ou même depuis la fin de la série, Megaman 11 apporte encore une fois un vent de renouveau et de rafraîchissement, un peu comme l'avait fait Megaman 8 à l'époque pour la PlayStation. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans Megaman 11? Eh bien, on a le système des vitesses, des gears, qui font que Megaman soit est ultra puissant, soit il est ultra rapide, que ça arrête le temps, et qu'on peut voir vraiment au ralenti tout ce qui se passe autour de nous, donc on a plus de temps pour réfléchir. Mais aussi, on peut faire les deux activités en même temps plus tard dans le jeu quand on achète une augmentation de pouvoir. Donc, il peut être ultra puissant et rapide en même temps. Qu'est-ce qui est intéressant? Les visuels sont vraiment renippés. Cette fois, on a le droit à un rafraîchissement total du visuel. Les effets comme de particules sont là aussi. Quoi d'autre? Les boss, les niveaux, tout ça. Il y a beaucoup de 3D dans les effets. Les personnages sont faits avec l'effet de shading, comme en trois dimensions de dessin animé. On n'avait jamais vu ça pour Mega Man, à part pour les Mega Man 7, X7 et X8 et de l'édition commandée. Il y a des moments dans le jeu qui sont particulièrement plus frustrants que d'autres, qu'on doit recommencer dans des milliers de fois. Jusqu'à temps qu'on se dise, ah, peut-être que si j'utiliserais mes armes spéciales, je pourrais peut-être réussir à avancer plus rapidement dans le niveau. Et oui, on n'a pas le choix pendant tous les autres Mega Man d'utiliser ses armes spéciales. Je crois que ce serait peut-être possible de le faire avec aucune arme spéciale, mais ce serait vraiment frustrant, répétition, sauter, ralentir le temps et être ultra puissant à tout bout de champ. Mais quand on a Rush Jet, c'est beaucoup plus facile ici de progresser dans le niveau. Donc c'est ça. À part les moments frustrants et répétitifs, le jeu, une fois qu'on l'a fini, on est bien content. On se dit, au moins, j'ai réussi à le finir une fois. Maintenant, est-ce que vous allez recommencer? Alors, pour Megaman 11, j'aurais pu dire qu'il y a beaucoup de power-ups qu'on peut aller chercher avec les boats qu'on ramasse. Et aussi, je dois dire que c'est vraiment un des jeux préférés sur la Nintendo Switch que j'ai pu essayer. Donc, je vous dis peace, essayez-le, et à plus tard. Mettez un j'aime, partagez, et surtout, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de laisser vos commentaires. Peace, ciao. Fouya mon gars, fouya mon gars, fouya fouya. Fouya mon gars, fouya mon gars, fouya fou fou fouya.